Salut! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit cadeau à quelqu'un. Donc je vais lui fabriquer moi-même. Donc c'est-à-dire que je vais faire des perles en papier pour faire un joli collier. Donc alors je sais pas si c'est comme moi, mais pendant le confinement, j'ai fait énormément de courses au drive. Et j'ai beaucoup de ces sacs-là. Donc je les ai tous gardés. Pour pouvoir en faire de jolies perles papier. Donc, on va faire ça ensemble. Vous aurez besoin, bon là j'ai pris un petit ciseau, c'est facultatif, ça dépend comment vous travaillez. De la colle, ou la colle blanche, alors celle-ci, hein, on sait d'où elle vient, de chez Action. Sauf que celle-ci, c'est une textile glue. C'est pour les textiles, parce qu'il n'y avait plus de colle. De colle de création quand j'y suis allée, donc j'ai pris textile glue qui fait exactement enfin fait son boulot quoi, elle colle. Vous aurez besoin aussi de cure-dents. Donc là j'ai pris différents accessoires que je vais pas tous les utiliser. Alors c'est ce qu'on appelle les appareils à keeling, donc ça peut être très pratique pour faire les perles. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais au milieu il y a une petite fente pour coincer la feuille papier pour l'enrouler. Et ce qui nous sert à rouler pour faire le keeling. Et moi, je les utilise pour les perles papier. Donc après, j'en ai différentes tailles. Donc voilà, les appareils à keeling. Mais moi, j'utilise beaucoup celui-ci. Qui est là, vous allez plus le voir. Là, la grosse fente, parce que je fais des grosses perles papier. Donc je coince mes papiers et je tourne. Donc voilà, j'utilise celui-ci. On peut utiliser aussi une aiguille à tricoter. C'est au choix, selon... Si vous êtes plus à l'aise pour enrouler ou un cure-dent, peu importe. J'ai pris ce genre de lame. Je vais tester parce que à force, il coupe plus très bien et j'en ai marre d'en acheter. Donc voilà, je vais tester. J'ai beau racheter des lames, mais ça s'use tellement vite quand on fait des perles papier que je vais peut-être utiliser le petit ciseau. On verra. Un crayon. Donc là, j'ai ma règle. Voilà. Et aussi, alors ça c'est pour après, quand on aura confectionné les perles et qu'on va les vernir ou qu'on les fera sécher, j'ai pris des boîtes à œufs pour piquer mes cure-dents ou pour les poser. Donc voilà. Voilà donc ce dont vous aurez besoin et le petit chiffon pour essuyer ses doigts. Donc voilà. Donc là je vais commencer par, je vais tester les lames si elles coupent, à couper mes bords et garder vraiment que la partie... Voilà. On va essayer de découper le plus proprement possible sur les bords. Si vous n'avez pas assez ce genre de lame, vous prenez un cutter, ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc là, ça va, ça suit bien les plis. Hop, on va jusqu'au bout. Ok. On fait la même chose sur l'autre côté. Hop, si j'arrive à la glisser dedans. Donc, hop. Voilà, comme ceci, comme ça mon sac va pouvoir s'ouvrir. Donc je fais même chose pour l'autre côté, pour enlever vraiment la partie du côté. Donc voilà, donc là j'ai ouvert mon sac, je vais pouvoir enlever mes bords. Je le repose comme ça, comme ceci. Je vais enlever mes bords de la même façon avec ma petite lame coupante sans me couper les doigts, bien sûr, que j'en ai besoin pour travailler par la suite. Donc cette partie-là, je la garde aussi, hein. Mes côtés, je les garde. Je vais les utiliser aussi. Hop. Donc voilà.
faire une punition pour le côté. Hop. Alors, je me mets devant vous. Hop. Pour l'instant, on suit vraiment les pliures et on enlève, on sépare les différentes parties. Hop. Donc là, on recommence l'opération pour le fond. Le fond, on ne va pas l'utiliser puisqu'il y a trop de collage. Et donc, ça fait des grosses épaisseurs. Donc, cette partie-là, on peut la mettre à recycler. Hein. Pas à la poubelle, au recyclage. Donc, on continue. Hop. J'essaye de faire attention au maximum, mais il peut des fois que je sois hors champ. Je m'en excuse à l'avance. Ce n'est pas, c'est pas évident. Donc ça, hop, au recyclage. Donc, nous avons cette partie-là. On va essayer de décoller ça. On regarde si on peut le décoller tout doucement. Si on ne peut pas, eh ben, on le laisse. Voilà. Pour enlever la poignée, on va essayer tout doucement sans déchirer l'ouvrage. Sinon, on coupera et on aura moins de longueur. Donc, on essaye tout doucement de voir. Donc, ça va. Ça peut s'enlever assez facilement. Ouais. Ça peut enlever toute la couche. Mais c'est pas grave. C'est au moins pour pouvoir enlever ces petites poignées qui nous gênent. On va essayer tout doucement. Hop. Ouais, ça a enlevé un peu d'épaisseur, mais ce n'est pas encore... Ah, bon, ben voilà, ce qu'il fallait pas faire, j'ai fait un trou. Bref. Est-ce que ça se voit beaucoup? Non, c'est pas... Ouais, ben, ça va trop se voir, donc je vais l'enlever. Hop. Donc on va couper les poignées, ça va être plus simple. Sinon, on va galérer. Donc là, je me pose comme ceci. Hop, je prends ma lame. Bon, voilà, je n'ai pas coupé droit. Mais bon. Les aléas du direct. Donc tout ça à recycler. Hop là. Donc voilà. Donc là, j'ai ma partie. Donc je vais utiliser cette partie-là vers l'extérieur. Pour essayer de faire ressortir, on verra pas forcément toutes les couleurs, mais peut-être un peu de noir et un peu de rouge qui vont ressortir de temps en temps. Donc voilà. Donc on va essayer de mettre, de faire son bord le plus droit possible. On prend sa lame, on coupe, voilà, comme ceci. On repasse une deuxième fois. Puisque moi, ça coupe pas bien. Et toujours pas. Bon, bah, je crois que je vais essayer l'autre. On va essayer l'autre. Hein. Enfin, voyons. Que perte de temps. Je crois que je vais tout faire au ciseau. Ce sera plus facile pour la suite. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites chutes. Hein. On peut les mettre à la poubelle. Donc une fois que j'ai fait ça. Donc là, je vais prendre ma petite règle. Alors, je vais faire la taille de mes perles. Je vais partir sur une base de... Il faut quand même qu'elle soit grande. 2 cm, ça va peut-être être grand. Je vais faire 1,5 cm. Donc, je vais tracer des petits points tous les 1,5 cm. Donc, ça, c'est mon côté. Voilà, c'est pareil. On en est cette partie-là. Donc, tous les 1,5 cm. Donc c'est parti. Hop. Ouais, ça fait peut-être jour. Bon, on va faire tous les 2 cm. Allez, c'est parti. On se base sur 2 cm. Hop. Ça va être plus facile. On va faire des grosses perles. Hop, 2 cm. Donc à la fin, il ne me reste pas ça. Donc je, hop, je gribouille ma dernière partie. Ensuite, même chose pour le bas. 2, allez, tous les 2 cm, hop, hop, hop. Hop, si ça bouge, on replace et on remet. Et ça, c'est la partie que je ne vais pas utiliser. Donc,
Donc là, je vais partir. Alors, il va falloir que je mette tout en décalage. C'est-à-dire que je vais partir de mon coin ici avec mon premier trait. Donc, je mets ma règle sur mon coin que je relie à mon premier trait. Donc, coin, premier trait. Je fais basculer ma règle et donc là, je repars de mon premier point au premier point en haut. Et en fait, ça doit faire vraiment des zigzags. Donc là, hop, pareil, je prends mon point en haut que je relie au prochain point en bas. Je remets mon crayon, je fais basculer, hop, et je relie mon point. Je vais vous montrer plus après ce que ça donne. Point en haut, on décale du point en bas. Voilà, donc je décale, hop, je reste sur mon point du bas, je décale mon point du haut. Donc je vous montre, hop, je refais et je vous montre ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc ça vous donne ça, ça vous donne des triangles. Donc comme ceci. Donc vous faites ça tout au long de la feuille. Et après, vous venez découper vos triangles. D'accord? Donc en fait, vous aurez un triangle de chaque côté à chaque fois. Hein. Vous aurez ce triangle-là, ce triangle-là, et celui qui se trouve au milieu. Ça vous fera, là pour l'instant, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 triangles. Donc vous faites ça jusqu'au bout et après vous découpez vos triangles et après je reviens à vous. Je reviens vers vous après. Donc ça y est, me revoilà. Donc j'ai fini de découper tous mes petits triangles. Donc voilà ce que ça donne. Donc je... Voilà. Ça vous donne des banglettes. Moi j'appelle ça mes triangles. Donc voilà ce que j'ai fait avec un seul côté. Donc maintenant nous allons procéder au montage de la perle. Donc je vais sélectionner la partie que je veux voir à l'extérieur. Donc je vais prendre celle-ci parce que je la trouve sympa. Donc on verra pas tous les détails bien sûr puisque ça va être roulé. Et vu que je veux que ma perle soit assez épaisse, je vais mettre plusieurs couches. Donc je garde bien celle que je veux mettre à l'extérieur là. Je viens poser dessus une autre bandelette. Je remets encore une autre bandelette. Je veux de l'épaisseur pour ma perle. Je veux pas qu'elle soit toute plate et toute raplapla. Donc là, on va en mettre à peu près, on va en superposer. Allez, on va partir sur... là, j'en ai mis 4. 4. 5. Donc, on va partir sur 5 et on va voir ce que ça donne. Si vraiment ça ne me plaît pas, je referai d'autres avec une différente épaisseur. Donc là, j'ai mis 5 bandelettes. Donc, j'essaye au maximum de les aligner au départ. Donc, je les maintiens avec ma main. Donc là, je vais venir prendre mon appareil à keeling. Donc, si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez prendre l'aiguille à tricoter pour les enrouler au-dessus. Ou un cure-dent. C'est un coup à prendre. Donc là, je vais venir hop, coincer mes feuilles de papier dans mon appareil à keeling. Et je vais commencer à enrouler mes perles. Donc je vais me mettre devant vous. Donc je commence à enrouler en essayant de centrer au maximum. Je centre ma feuille. Je décale si ça se décale. J'essaye toujours de mettre mes bandes. Quand je roule, faut serrer au milieu. Donc, on essaye tant bien que mal. Il peut y avoir des petits décalages, donc je redécale, vous voyez. Faut vraiment essayer de les mettre au milieu pour que les bords commencent à former quelque chose. Ça fait pas trop le point, là, on recule, voilà. Donc, on aligne toujours en tirant. Je tire toujours sur mes bandelettes, pas trop fort pour pas les déchirer non plus. On enroule. On s'arrange à ce que ça reste bien au milieu. On tient avec le pouce pour pas que ça se déroule. Hein? Parce que sinon, tout va se dérouler. Et ce n'est pas le but. On centre. On remet en centre.
en centre. Hop. Donc là, on essaie de les réaligner un petit peu. Hop. Et ce qu'on va pouvoir commencer à faire, je n'ai pas ouverte au départ, c'est commencer à mettre un peu de colle. Donc on maintient avec son pouce, on essaye toujours de bien aligner les petites bandelettes, on essaye de les remettre. Et là, on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de colle. Vous en aurez plein les doigts, parce que j'en mets, il faut que ça tienne. Sinon, la perle va se dérouler et c'est pas, le travail ne va pas être très joli. Donc là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Donc on commence à rouler, ça va déborder, évidemment. Hop, on appuie avec ses doigts, on va en avoir plein les doigts, d'où le petit chiffon que j'ai dit au départ. Donc on continue d'enrouler, on enroule, on enroule, on enroule, et on va jusqu'au bout des petites pointes. Voilà. Et là, avec ses doigts, on la tourne et on lisse pour étaler la colle partout, pour bien que la colle fasse son boulot. Donc voilà. Donc je vais vous montrer et voilà ce que ça donne. Là, la colle, bon, la colle va, en séchant va devenir transparente. Donc là, on... Ah, évidemment, j'ai trop serré. Hop, on décale la perle. Hop, je l'ai enlevée de mon appareil Aquiligne. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà la première perle. Donc là, vous pouvez la recentrer. Hein. Si vous voyez que c'est pas centré, ça bouge. Donc on peut remettre le truc au centre et redonner la forme à la perle qu'on veut. Donc voilà. Donc après, je prends un cure-dent. Je vais venir, hop, la mettre sur un cure-dent. Donc voilà, je l'ai positionné sur un cure-dent. Et donc là, je laisse sécher un peu la colle. Et je viendrai la vernir par la suite. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Plutôt satisfaite. Bon, pas assez grosse. Donc je vais en refaire une deuxième comme celle-ci. Pour pouvoir faire un joli collier. Et je pense que ma perle centrale sera beaucoup plus grosse. Donc là, pour le moment, pour qu'elle sèche, je viens la positionner. Alors soit en pique. Comme ça. Moi je pique comme ça. Ou alors vous pouvez les poser à cheval. Comme ceci. Ouais, généralement, moi je pique. Bon, allez, voilà, comme ça. Donc là, nous avons notre première perle. Hop, je vais vous remontrer la confection. Si vous voulez en refaire une autre. Donc on s'essuie les doigts. Hop, et c'est parti pour la deuxième. Je vais préparer mon cure-dent tout de suite. Donc c'est pareil, on va reprendre une. Bon, on va prendre celle-ci pour l'extérieur. On recommence. Une, deux, trois. 4, 4 et 5. Donc voilà, j'ai repris mes 5 bandelettes qu'on réaligne toujours. Hop. Je prends. Je vais peut-être vous montrer avec un cure-dent pour ceux qui n'ont pas d'appareil Aquiligne. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc je prends mon cure-dent. Alors, on va se mettre comme ceci. Ah, j'aligne bien mes bandelettes. Au début, c'est un peu... C'est pas évident. C'est un coup à prendre, parce que les bandelettes, voilà, ça bouge, c'est pas... Donc là, je vais poser mon bout de papier, comme ceci, que je vais... Hop, je le pose... Je sais pas si vous voyez comment je l'ai mis, comme ça, et avec les ongles, je pousse pour bloquer mon papier... Et voilà, donc dès que j'ai commencé à faire ça, eh ben, je tourne mon cure-dent, même principe. Ouais, là, ça ne va pas tourner, j'ai pas assez serré dès le départ. Et donc là, avec mes deux doigts, là, vous allez être obligé de prendre la perle et avec vos deux doigts, de rouler sur le cure-dent. Au début, je les faisais avec les cure-dents. Quand j'avais pas mon appareil Aquiligne, c'est ce que je faisais. Par contre, c'est plus... une fois que vous l'avez bien commencé... Vous pouvez l'enlever du cure-dent et le faire à la main comme ceci. Ça va être plus facile. Donc là, j'ai commencé sur le cure-dent pour lui donner sa forme ronde. Et après, vous tenez vraiment les extrémités et vous tirez et ainsi de suite. Et ça vous permet d'avoir de tenir mieux peut-être les bandes. Donc toujours bien tirer, bien serrer et ne lâchez rien. Sinon, la perle va se détricoter.
Hop, on centre toujours ces bandelettes. Hop, hop. Donc là, voilà. Elle commence à prendre forme. Donc, hop. Donc là, on va commencer à pouvoir mettre de la colle. Voilà, on en met en quantité. Voilà. Et on va venir tirer et commencer à mettre la perle. Donc là, on en a plein les doigts, évidemment. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on met au milieu. On met toujours au milieu. On remet un peu de colle parce que là, les pointes, il n'y en a presque plus. Et donc, hop, on glisse avec les doigts. On lisse, on lisse, on lisse. Hop. Pour bien agglomérer. Alors, faut pas hésiter à se coller les doigts. Hein. Donc, voilà. Hop, hop. Donc là, je peux la remettre sur mon petit cure-dent. J'ai fini. Hop, je remets ma perle sur mon cure-dent. Et donc, voilà. Nous avons une deuxième perle. Donc en fait, chaque perle va être différente. Hein. C'est vraiment... voilà, il y a encore beaucoup de colle parce que je viens juste de la faire. Voilà, on va essayer d'enlever le maximum de colle, mais pas trop, parce que sinon après, toutes les impuretés vont venir se coller dessus. Donc voilà, chaque perle va vraiment donner son effet. Donc là, j'en ai fait deux, ce qui peut être une base pour un collier. J'aimerais bien faire une grosse perle centrale, donc je vais voir comment je peux la faire. À mon avis, il faut que je mette plus d'épaisseur ou plus de largeur. Je ne sais pas encore. Donc là, j'ai essayé avec combien? J'avais mis 5. Oh, est-ce qu'on teste avec 10, le double? Allez, on va tester. Si j'en ai assez, je ne sais pas combien il me reste. Alors, 1. Je vais m'essuyer les mains. Hop. Alors, 1. J'ai pas beaucoup de trucs à l'extérieur. Je vais mettre ce du noir à l'extérieur. Voilà. Je vais mettre celui-ci. Donc là, j'en ai 3. Toujours sélectionner celle qu'on veut voir apparaître vers l'extérieur. Donc 3, 4, 5, 6. Ça va être plus dur à rouler. 7, 8. 8, 9 et 10. Voilà, donc là j'ai mis 10 bandelettes. Même punition, on les aligne au départ. Alors si vous voulez vous aider, il y a certaines personnes qui mettent un petit peu de colle au départ pour les coller entre elles, pour s'aider. Moi j'en mets pas parce que quand on commence à rouler, en fait, elles se décalent et enfin, je trouve ça pas pratique. Donc moi je préfère les maintenir comme ceci. Donc là, je vais reprendre mon appareil à killing. Parce que là, j'en ai mis 10 et ça va être compliqué sinon. Hop. Si j'arrive à passer mes 10 feuilles, mes 10 bandelettes. Ouais. Je crois que ma fente ne va pas être assez grande pour passer les 10. Bon, sinon, je vais faire au cure-dent ou à l'aiguille à tricoter. Mais non, bon, je vais le faire au cure-dent. On va sortir un cure-dent. Hop, comme ceci. Donc, on refait même punition. Là, on va venir plier et on va venir bloquer avec les pouces. Hop là. Et après, en fait, c'est tout un système pour venir bloquer. Et voilà. Et après, on pousse avec les deux pouces pour faire rouler. Voilà. Le début est fait. J'enlève mon cure-dent. Et voilà. J'ai mon premier rouleau de fait. Hop là. Donc, faut pas s'inquiéter hein, si à l'intérieur, on voit le papier... Quand on crée le bijou, ça ne se voit plus très bien. Hein, parce que là, on voit vraiment que ça fait bizarre. Mais c'est papier qui est plié pour le départ. Je ne peux pas faire trop autrement. Il y a une épaisseur. Donc, ce n'est pas encore très, très important. Donc, voilà. Donc, là, même punition. On roule, on tire. On reste bien au milieu. Toujours. On ressent sa bandelette. On tire. Donc, voilà. Hop. Hop. On l'en fait encore un peu. Hop.
Excusez-moi, je regardais un peu ce que je faisais. Hop. Je mets au milieu. Hop. Donc, je ne vais pas enlever mes doigts pour vous montrer ce que ça fait si vous ne serrez pas ou si vous relâchez. Hein. Vous êtes bonne pour recommencer votre perle. Donc là, il me reste encore tout ça, mais je commence à mettre la colle parce que là, c'est une grosse épaisseur. Hop. 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 Donc là, je badigeonne ma colle. Hein. Hop. On va pouvoir en remettre. Donc après, il faut trouver les techniques pour bloquer tout le temps. Bloquer, bloquer, bloquer la feuille. Hop. Alors, toujours enrouler, 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 enrouler. Hop. Toujours au milieu, 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 milieu. Et voilà. Hop. On va essayer de voir. Hop. Je vais peut-être remettre un peu de colle. Si vous ne voulez pas le faire avec les doigts, vous prenez un pinceau. Hein. Moi, je le fais beaucoup aux doigts. Je ressens plus les choses. Je ressens ma perle. Voilà. Hop. Donc là, bon. Ça va être catastrophique. Hop. Voilà. Donc là, on la voit pas très bien parce qu'elle est... Il y a beaucoup de... J'allais dire de la peinture, mais non. Il y a beaucoup de colle. Donc, on va la laisser sécher et voir le rendu. Donc là, on a vraiment une perle beaucoup plus grosse. Plus vous voulez gros, plus vous mettez d'épaisseur. Je vais vous montrer. Les autres commencent à sécher. Le blanc ne se voit plus. Voilà. Donc là, j'ai mis 5 couches. Et là, j'ai mis 10 couches. Donc là, ça fait déjà une plus grosse perle. Donc je vais continuer mes perles. Je vais redécouper certainement des bandelettes pour faire d'autres perles, puisque pour mon collier, il m'en faut encore. Et je vous reprends plus tard. Me revoilà. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Donc là, j'ai refait une deuxième avec 10 couches. Donc, pour l'instant, j'ai deux perles de 5 couches et deux perles de 10 couches. Donc là, ça va être sur les côtés. Je fais à peu près symétrique pour les perles de mon bijou. Là, donc, j'ai essayé autre chose. Donc là, on a utilisé la moitié du sac. Donc là, j'ai l'autre moitié. Donc là, j'ai décidé de faire ma perle centrale. J'ai jamais testé. Je vais tester en même temps que vous. On va voir ce que ça donne. Ça, soit ça ne va pas marcher ou ça peut être très réussi. Donc, souci, j'ai fait des traits tous les 4 cm. Donc, la largeur de ma perle fera 4 cm. Donc, et je vais essayer de mettre tous les triangles. Donc, je vais les découper. Et on va tester ça ensemble. On va voir ce que cela peut donner. Hop. Donc là, je découpe, hop, tous mes triangles. Hop. On va sélectionner après une bande pour mettre vers l'extérieur. J'espère que ça va bien rendre. Donc là, je l'ai fait au stylo parce que mes lames ne coupent plus. Hein. Mais si vous avez des bonnes lames qui coupent, des cutters ou... J'avoue que moi, à force, je fais tellement d'activités que je suis obligée d'acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps des lames. Et au final, c'est pas rentable. Donc maintenant, je fais au ciseau. Tant pis, c'est plus long. Mais au moins, ça m'évite d'investir tout le temps. Et donc voilà. Donc là, je sais pas combien je vais avoir de triangles. Donc des perles papier, ça reste quand même quelque chose de minutieux à faire et quelque chose de ça peut être long. Hein. Entre le traçage, le découpage et la confection, le vernis. C'est vrai que c'est quelque chose de minutieux.
Mais bon, l'investissement, c'est que de la récup. Là, quand on regarde que j'ai fait 4 perles, je vais avoir fait 4, 5 perles dans un sac. Et encore, là, j'ai mis des grosses couches, mais quand on fait des petites perles, on peut en faire beaucoup plus. C'est rentable. Donc, voilà. Ce dernier triangle. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Donc, ça, on met pour le recyclage. Et j'ai toujours mes côtés. Hein. Ils vont me servir après pour faire des perles plus petites. Pour mettre entre mes grosses perles. Donc, je sélectionne quel morceau pour mettre à l'extérieur. Ah, celui-ci me plaît bien. Ouais, ça fait encore du noir. Je suis attirée. Ah, celui-ci, il y a du noir et du rouge. Ah, peut-être celui-ci. Allez, on part sur le noir et rouge. Donc là, on va superposer tous les triangles. Hop. Moi et le noir, c'est une grande histoire d'amour. Il faut mettre un peu de couleur. Hop. Je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bon, 12. Donc on part sur une perle à 12 triangles. Donc on aligne bien le départ, comme partout. Donc là, j'hésite à la faire à l'aiguille à tricoter parce que j'ai une grande épaisseur. Ou au cure-dent. Au cure-dent, ça va être galère. Mais le trou, il va être vachement gros. Oh, le cure-dent ne va pas être assez large. Bon, on va être obligé de prendre l'aiguille. Bon, comme ça, ça va vous voir les différentes techniques. Donc, j'aligne ma bande. Donc, je prépare ma colle, bien entendu. Donc, on va commencer à positionner la bande. Vous voyez, déjà, ça se décale. Hein. C'est pour ça que quand on colle au départ, il se décale un petit peu. Donc, on va essayer de l'enrouler autour de l'aiguille en poussant. Ah, je voudrais que ça soit... Alors, je vais me reculer un peu. Donc là, je vais sortir mes muscles. Hein, parce que je voudrais bien enrouler... je sais pas comment vous montrer. Au départ, je veux que ça soit coincé de derrière. Ah, voilà, j'ai réussi. Donc là, je commence à enrouler. Donc voilà, j'ai commencé à enrouler. Je peux enlever mon aiguille. Je maintiens le tout. Et même punition, on tire toujours et on commence à enrouler en laissant les bandelettes au milieu. Donc voilà, c'est parti pour enrouler toujours en tirant bien et en gardant au milieu. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Alors pour l'instant, le rendu me plaît plutôt plus pas mal. Bon, le trou est vachement gros par contre, mais bon. On va essayer de lui donner un bon aspect rond. On tire, hop. Et je crois qu'on va pouvoir commencer à mettre un peu de colle. Parce que là, il y a beaucoup de matière. Et sinon, ça va donner de la résistance. Donc là, voilà ce que ça donne. J'ai commencé à bien enrouler mon truc. Voilà, sous tous les... Ah, j'aime beaucoup. Pour l'instant, ça me plaît. Donc, on met la colle. On va en mettre un petit peu là, sur toute la longueur. On va essayer de l'aligner. Et là, c'est parti. Hop. Toujours en restant au centre de ma perle. Hop. On va lisser tout ça. Hop. Hop, hop, hop. Et ben voilà, si on recommence, on retend. Allez, voilà ce qui se passe quand on relâche. C'est pas grave, c'est pas gênant en soi. On recommence, il n'y a rien d'embêtant. Hop, on recommence, hop, on resserre bien. Jusque les feuilles se sont collées entre elles, donc il faut les redécoller un peu. On va remettre de la colle. C'est pour ça que je voulais en mettre dès le départ pour pas être trop embêté. Hop. On va maintenir
On va remettre de la colle. Et on va bien étirer et bien maintenir. Hop, hop, hop. Je vais essayer de la maintenir. Et donc là, ce qu'on n'hésite pas à faire, puisque c'est une grande et qu'il y a de la tension, à mettre de la colle partout. Et on frotte. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Pour que tout se colmate le plus simplement possible. Donc voilà, hop, voilà. Bon, j'ai les doigts un peu collants. Donc là, j'en ai mis partout. Donc on s'assure bien que ça ne se déroule pas. Hein. Et ce qu'on fait, on essaie de centrer. Mais là, bon, dans l'ensemble, j'ai plutôt pas mal centré mes bandes. Et donc la perle est plutôt jolie. Donc j'évite de la patrouiller. On va se sortir un cure-dent. On va la positionner et on va la laisser sécher. Donc je suis plutôt satisfaite pour ma grosse perle centrale. Je vais la laisser sécher. Je vais la mettre avec les autres perles. Je vais la mettre plutôt peut-être comme ça à cheval, elle. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est fait. J'ai mes 5 perles à peu près centrales. Maintenant il va me falloir des petites perles pour agrémenter tout ça. Donc je vais utiliser ces parties-là. Donc je vais prendre dans le sens de la longueur, c'est vraiment le côté le plus long. Et je vais faire des petits traits pour me faire des petits triangles de tous les 1 cm. Donc ça va faire des plus petites perles. Donc je vais faire ça, je découpe tous mes triangles de 1 cm sur mes 2 feuilles, mes 2 côtés. Et je vois si je fais plusieurs couches ou si je mets qu'une seule couche pour faire mes intermédiaires. Je pense que je vais en mettre peut-être 2 ou 3, je pense. Alors je vous reprends après, à tout à l'heure. Donc ça y est, j'ai découpé mes petits triangles d'1 cm. Alors j'ai fait qu'un seul côté, hein. J'ai pas fait le deuxième parce que là j'ai pas mal de petits triangles. Donc ça en fait un petit peu. Donc c'est beaucoup plus long à faire parce que voilà, c'est très petit. Donc je vais tester avec vous. Je sais pas encore comment je vais faire. Alors je vais essayer avec juste une bande. Donc c'est la base de la perle en papier. Comme ça vous allez apprendre juste, si vous avez du mal, vous pouvez faire que ça en fait, des petites bandes. Donc là, je place et je roule. Donc là, c'est plus facile. Il n'y en a qu'une. Donc je vais voir ce que ça donne. On va voir ça ensemble. Toujours centrer la bande. Hop. Je vais voir ce que ça donne si je mets qu'une seule bande. Hop. Alors, ce qui peut vous aider aussi, c'est de laisser votre doigt et faire glisser en fait sur votre doigt. Comme ça, votre doigt, en fait, il guide pour rester au milieu. Donc là, on met une toute petite goutte, parce que là, c'est vraiment, il y a toute une petite bandelette, donc ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Donc voilà ce que donne la perle. C'est vraiment petit. Tu as fait une toute petite perle comparée, je vais vous montrer celle qu'on avait fait avec 5 bandes. Et voilà, ça donne vraiment une petite perle. Donc là, j'ai mis une seule bande. Donc je vais certainement faire... J'arrive plus à accrocher ma perle. Bon, je vais la poser comme ça, c'est pas gênant. Donc une fois que j'ai fini, je l'enlève. Donc là, pour l'instant, je peux la poser, hein, vous voyez. Donc là, j'ai mis une bande. On va essayer avec 3 bandes. Et après, je vais finir toutes les bandes. Et après, je vais vous montrer comment on vernit. Hop, on va tester avec 3 bandes. Hop, là, comme ceci. Donc là, je prends mon appareil à Killing. Je passe mes 3 bandes et hop. C'est juste pour voir la différence. On enroule. Là, j'aime beaucoup. 3 bandes, ça me plaît. Je pense que je vais rester sur 3 bandes. Je vais refaire peut-être une avec une seule bande et je crois que je vais les faire par 3 bandes. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc là, pareil, il y a 3 bandes, donc on remet un petit peu plus de colle. Hop. Pour faire glisser. Hop, hop. On reste au milieu.
Zut, ça donne pas ce que je veux. Hop là, voilà. Hop. Ah, il veut pas. Hop, on va y remettre un petit peu de colle, vraiment un petit peu, parce que c'est pas. Donc là, ça donne une perle un peu plus rondelette. Comparé à la première qui est plus, plus ovale et celle-ci une bande et là donc c'est bien ce que je disais hein, plus vous voulez de la grandeur plus vous voulez que ça forme une boule plus plus il faut en mettre de bandelettes superposées pour avoir un rendu plus rond. Donc voilà, je vous dis à plus tard, je vais finir toutes les bandelettes qui restent pour pouvoir faire toutes les perles et je vous reprends après pour vous montrer comment je les vernis. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini de travailler mes perles papier. Donc là, j'ai commencé à mettre en forme. Donc il me reste à les vernir. Donc pour cela, j'utilise soit de la colle blanche Cléopâtre, comme je faisais au début, ou du vernis incolore, ou alors du triple gloss. Donc voilà, donc je vais les vernir et je vais les laisser sécher toute la nuit. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer la réalisation de ce bijou. Voilà. Bye.